Match après match, c'est votre rendez-vous du dimanche soir pour faire et refaire l'actualité du football suisse et international. Programme très varié et éclectique en ce dimanche avec nos invités. Tout d'abord, Mike Perez pour la rédaction de Blue Sport. Bonsoir, Mike. Bonsoir, toujours un plaisir. Gabé Chapuza, notre consultant, toujours le bienvenu et apprécié. Bonsoir, Gabé. Bonsoir, Nicolas. Et Sandy Mendley, international suisse. Milieu de terrain du Servette FC chinois féminin, quelques saisons passées en Italie, une en Espagne. On oublie encore quelque chose Non, je pense que c'est tout. Bonsoir <laughs> à vous aussi, Bonsoir. bienvenue dans cette émission. Ben justement, on va d'abord parler du Servette FC chinois féminin. Parce que vous êtes en train de vivre une année 2021 absolument incroyable. Titre de championne de Suisse pour la première fois de l'histoire du club. Qualification pour la nouvelle phase de groupe de la Ligue des Champions mise cette année en valeur. Il y a unanimité pour dire que c'est un exploit. Oui, je pense que c'est un exploit. C'est vrai que bah, quand le club s'est un peu soudé au, au chinois féminin, on ne s'imaginait pas arriver ici quatre euh, ans après. Euh, je pense qu'on a eu quand même pas mal de, de chances au niveau des tirages pour cette qualification en, en Ligue des Champions. C'est vrai qu'on a eu euh, Glasgow euh, dans le dernier barrage. C'était une équipe, on va dire, euh, abordable par rapport aux équipes qui auraient pu euh, nous tomber dessus. Donc, euh, donc on va dire, c'était un peu un concours de circonstances qui nous a fait qu'on est arrivé jusque-là. Il y a bien un, un exploit de voir une équipe suisse, quelle qu'elle soit, en, en, en Ligue des Champions oui, euh, si on parle de foot féminin, je veux dire tout de suite, humblement, je ne suis pas un expert, hein, euh, mais j'ai quand même suivi quelques fois ces demoiselles, sur quelques matchs de l'équipe nationale. J'ai vu le match à Glasgow, le match retour pour la, la, la qualification. J'avoue, j'étais toujours un pessimiste de, euh, sur le foot féminin. Je dois dire que j'ai changé un petit peu d'avis. Je trouve que ces demoiselles ont beaucoup progressé. J'ai connu les premiers balbutillements du foot féminin et croyez-moi qu'aujourd'hui, c'est vrai que les progrès sont évidents. Chapeau mike, voir une équipe de suisse en, en, en ligue des champions, ça reste un exploit, que ce soit young boys, que ce soit servette fc euh, chez nous féminin. oui, on a, je pense, euh, peut-être pas forcément toujours, la, on ne prend pas toujours la mesure euh, de, 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 de cet exploit. Euh, tant voilà, chez les hommes que chez, que chez les femmes. Euh, là, après, on se rend compte effectivement à quel point c'est du haut niveau et, et Servette est en train de l'expérimenter un tout petit peu parce que le groupe, c'est du costaud. Euh, quand, on a, quand on a affaire à, à ces trois équipes qui sont affichées derrière vous, Sandy, Chelsea, Wolfsburg et, et la Juventus, euh, au niveau féminin, euh, c'est du costaud. C'est aussi fort que le masculin, ou à peu oui, près oui, oui, On peut tirer un parallèle. Hein. C'est ouais, <laughs> vrai. vrai que finalement, si on mettait le Servette d'aujourd'hui des, des hommes, donc hein, dans un groupe avec avec ces trois autres équipes-là, pas sûr qu'ils ferait, qu qu ferait forcément mieux. Donc voilà, l'écart il, il, il est conséquent, mais d'être de la fête, c'est effectivement déjà incroyable. Parce qu'on a un peu tendance à l'oublier, mais l'UEFA fait des efforts pour valoriser cette compétition et ça devient extrêmement difficile d'accéder à, à ce niveau-là. À cette nouvelle phase de groupe, quand même Oui, voilà, je pense que l'UFA a fait en sorte justement que, que les matchs soient de plus en plus attractifs. C'est vrai qu'avant, avec ces, ces matchs simples aller-retour, il y avait peut-être des équipes qui arrivaient à un certain moment de la compétition qui ne devaient peut-être pas forcément y être. Donc là, voilà, c'est les dernières 16 équipes européennes, donc c'est les meilleures. Donc euh, pouvoir en faire partie, c'est vraiment exceptionnel. Mais vous, vous y avez cru au moment de débuter de la saison alors sincèrement, pas forcément, c'est vrai que je pense que si on demande aussi au club, c'est pareil, c'est vrai que, que voilà, notre premier objectif, c'était déjà d'aller dans ces premiers barrages en, en essayant de gagner le premier match pour pouvoir ensuite être, avoir encore cette possibilité de, de passer ce, ce premier tour. On attendait aussi impatiemment le, le tirage de, de, ce, de ce premier barrage parce que parce voilà, ça peut hypothéquer aussi très rapidement les chances si tout d'un coup on, on a des équipes un peu plus fortes. Donc, je pense qu'on a vraiment eu euh, la chance de notre côté, de, de ce côté-là. Et puis, euh, bah ensuite, voilà, on a pris match après match. Et puis, euh, avec euh, voilà, des bonnes prestations qu'on a, qu a pu faire contre Glasgow, euh, notamment, euh, on a réussi à passer l'épaule. Ouais, et euh, vous vous retrouvez donc dans ce groupe. On a cité les, les équipes. Le, le classement, bah, il est difficile actuellement, après, après deux journées de, de lourdes défaites. Mais d'y être... On apprend des choses, on fait progresser un club, on fait progresser le football féminin suisse aussi Oui, bah, je pense déjà, surtout, ça donne de la visibilité. C'est vrai qu'on n'en avait pas forcément ces dernières années. Je pense que maintenant, de plus en plus de personnes s'intéressent au football féminin, notamment bah, notre ami... qui m'y suis mis. Eh bah coup, oui. peut, le, peut le regarder. Donc. Je suis pas très assidu, mais... <laughs> ben, il va aller voir des matchs en vrai, je suis sûr. Non, Au je ne pense voilà. pas. Peut-être si j'en ai euh, l'occasion. Mais je, remis, dis, je hein, disais, ouais. je <laughs> le parallèle. C'est que je remarque, que je crois qu'on a le, le même problème, non la, la même projection avec, avec les hommes, c'est que les meilleures Suissesses, elles jouent déjà à l'étranger. Ça veut dire que quand même, il y a de, de la qualité. Malheureusement, ça va bah, peut-être affaiblir notre championnat et avoir justement encore une meilleure qualité et une meilleure visibilité. C'est vrai que pour le championnat, ça, ça me paraît un petit peu plus championnat suisse, mmh. Je dis un peu plus compliqué. On a interrompu Sandy qui voulait nous vendre <laughs> le match de mardi contre <laughs> ouais. Chelsea. Ouais. Si oui. jamais j'ai des billets, en plus, <rire> <rire> si vous souhaitez y participer. Non mais euh, est-ce qu'on peut tirer des parallèles entre la difficulté d'une équipe comme Young Boys ou comme Servette à se qualifier pour la, la Ligue des Champions par rapport à, à la taille du, du football suisse alors à se qualifier, oui. Déjà, euh, bah, on, on le voit euh, notamment bah, avec les matchs qu'a pu euh, avoir Young Boys que voilà, c'était toujours très compliqué. Maintenant, moi, la, la différence que je vois euh, surtout avec euh, bah, le, les restes des équipes européennes, c'est euh, le fait de, de pouvoir être constant sur le championnat, la Champions League et bon euh, les matchs de coupe. Donc là, on voit que Young Boys passe peut-être aussi une période un petit peu euh, compliquée parce que je pense que les équipes suisses sont pas forcément toutes non plus. Euh, euh, armés comme, euh, comme les autres équipes européennes. Et puis bah, nous, on, on le remarque aussi que, que voilà pouvoir jouer euh, tous les 3-4 jours à un certain niveau, ça, ça demande beaucoup de force. Et, euh, et je pense que c'est compliqué. Mike, vous tirez-vous aussi des, des parallèles entre ces, ces deux parcours euh, – Complètement, euh, Gabé a déjà souligné le fait qu'effectivement, les meilleures joueuses euh, s'exportent, et elles s'exportent même plutôt bien. Hein, – Oui, oui. – Elles évoluent dans Elles des, sont dans toute l'Europe. – hein. des, des, Et dans des clubs plutôt prestigieux. Donc forcément, ça affaiblit euh, les, 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 les clubs suisses, qui euh, et c'est le cercle vicieux, on a du coup de plus en plus de difficultés à, à briller sur, sur la scène européenne. Le parallèle, il est, il est juste, et, et, et on peut parfaitement comparer euh, voilà, ce que font les, les, les clubs tant masculins que féminins. L'exploit une fois, la question qu'on peut se poser, est-ce que ça va pouvoir se, se reproduire Votre avis, Gabé Je pense qu'il faudra être patient pour que Servette soit capable, ou une autre équipe suisse soit capable de, de, de rivaliser, surtout de, de répéter ce, ce genre d'exploit. Pourquoi Pourquoi vous n'y croyez pas ben, vraiment Non, parce que je dis, on perd chaque, chaque année, on, comme pour les hommes, ça je vais me répéter, on perd les meilleurs qui vont jouer à l'étranger, c'est difficile. Et puis en Suisse, parce bah, 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 que... Les filles, elles ont quand même des prétentions, elles veulent être professionnelles comme les hommes, elles veulent être rémunérées, elles ne seront jamais rémunérées comme les hommes. Nous sommes bien d'accord, donc c'est vrai que tu es obligé de, de partir à l'étranger au détriment de, de, de la qualité de nos championnats, donc ça va être compliqué. Donc il faut continuer à travailler sérieusement, je crois qu'elles le font hein, au, niveau de, euh, au niveau de la formation. C'est vrai qu'à l'époque, quand on parlait de formation de football féminin, on rigolait, mais maintenant, il y a des structures qui sont bien en place. Je pense qu'il n'y a que du positif pour le futur. Ça peut se répéter ou bien malheureusement le football suisse va devoir en rester à cette unique euh, participation non, Je pense que ça peut se répéter si on travaille bien comme, comme il l'a dit. C'est vrai que, que voilà, on n'était pas forcément non plus l'équipe. Euh, sur, la, sur la saison passée, on était la meilleure équipe vu qu'on avait gagné le championnat. Mais je pense que, que voilà, il y a des équipes comme Zurich qui sont euh, clairement à notre niveau. Et, et donc, euh, je pense que si elle aussi avait commencé cette. Euh, cette, euh, cette campagne de qualification en Champions League, elles auraient très bien pu y arriver et elles pourront peut-être y arriver euh, dans quelques années ou l'année prochaine. Donc, à mon avis, c'est pas forcément une, une question que, que c'était une fois et puis que ça, 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 ça arrivera plus jamais. Je pense que si on continue vraiment à, à bien travailler, comme il l'a dit, à, à promouvoir un peu les jeunes et à leur donner euh, les, les possibilités de, de s'exprimer au mieux, je pense que, que voilà, c'est une chose qui, qui pourra euh, se répéter dans l'avenir à condition de, de suivre le train qui se lance à grande vitesse avec ses, ses grands clubs, hein, Chelsea, la Juventus, Wolfsburg, mais le Bayern, à peu près tous les grands clubs européens masculins désormais, poussent aussi le football féminin. En Suisse, on arrivera à suivre ce, ce train oui, bah, moi je trouve malheureusement en Suisse, on n'a pas forcément non plus la même culture du foot qu'ont qu les, les autres pays. Donc euh, je pense qu'on est en, aussi un petit peu en, en, en retard, euh, que ce soit dans le foot féminin que dans le foot masculin. Euh, maintenant, c'est sûr que les clubs devront, un, un jour ou l'autre, investir un petit peu plus sur le, sur le foot féminin s'ils veulent vraiment euh, arriver à des, à des résultats comme, comme le font les meilleures équipes. Mike, vous croyez à un investissement des clubs Oui. Pour le foot clairement. féminin Oui, parce que... Il y a aussi du business là derrière, il y a du marketing. Vous allez chercher effectivement un public qui est peut-être nouveau, qui est plus féminin aussi, parce qu'on va chercher peut-être les, les les jeunes filles. On va chercher euh, voilà des gens qui ne s'intéressent qui ne s'intéressaient que de loin au foot. Puis, ils disent ah, tiens le foot féminin c'est sympa parce que c'est différent. C'est peut-être moins spectaculaire, c'est peut-être effectivement pas au niveau du, du foot masculin. Ça on est bien d'accord et c'est clair. Euh, mais voilà il y a aussi certainement du, 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 du potentiel, du potentiel là-derrière pour créer un élan de, de sympathie, une image de marque, hein, parce qu'aujourd'hui si Servette aussi euh, pousse l'équipe féminine, bah c'est sous l'égide de Servette FC. Et on voit que justement l'entité Servette FC fait la promotion finalement des féminines comme de l'équipe masculine, hein, la, la, quasiment de, de la même manière. Servette joue ses matchs de Ligue des Champions en, en, au stade de, de Genève. Donc ça aussi, c'est un, un, un joli signe, une jolie marque de, de confiance. Moi, je pense que les clubs ils vont s'engouffrer ils vont dans, 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 dans la brèche, parce qu'il y a, y a un potentiel de retour sur investissement. Est-ce qu'il y aura un argument populaire pour une interrogation je, je me pose La interrogation. SF essaye aussi de le faire avec l'équipe nationale. On a vu ces deux matchs qui ont lieu récemment à, à, à Zurich. Je mets juste un petit bémol sur le choix de Zurich. Je ne suis pas convaincu que Zurich, le Letzigroune, c'était le meilleur endroit pour caler deux matchs de l'équipe nationale parce que c'est grand, parce qu'il a la piste d'athlétes, voilà. Mais peut-être qu'il n'y avait pas d'autres stades disponibles, vous me direz. Mais l'ASF essaye aussi avec l'équipe nationale de créer ce lien, de faire venir des gens. De... Quitte à les inviter, on est bien d'accord. Hein. Je ne pense pas que Servette, nous ou bien l'ASF compte vraiment sur la billetterie pour se faire de l'argent. Mais par contre, vous faites venir des gens au stade, vous les invitez, vous les faites venir, ça va peut-être leur plaire. Ils vont mordre à à l'hameçon, accessoirement, ils vont peut-être prendre une petite bière à la buvette, ça fait toujours un peu d'argent. Euh, et vous créez un engouement, vous suscitez un engouement, vous suscitez un intérêt. Ben, voilà. Ma fille, elle, elle commence à regarder le foot féminin de plus en plus, elle adore ça, je pense que c'est l'exemple typique. À propos d'engouement, il y en a pour la rencontre de mardi. 9000 personnes ont déjà réservé leur place pour la réception de Chelsea. Oui, c'est le chiffre annoncé. C'est vrai que euh, déjà, rien que lors du premier match contre la Juve, c'est vrai qu'il y avait déjà eu un petit peu plus que 4000 personnes, je crois. Donc en Suisse, il faut savoir que c'était un, un record. Donc euh, je pense que voilà, le club et, euh, et la ville ont fait en sorte de, de vraiment promouvoir ce, ce match. Et il y a vraiment une grande publicité autour. Et, euh, et je pense que ça va être une grande fête mardi. Et vous l'avez dit, il y a encore des billets, pas seulement pour Gabé, mais pour tous ceux <laughs> qui sont intéressés à cette... Rencontre, on va tourner la page Servette FC, que ce soit masculin ou féminin. Il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur la prestation du club chez les hommes cet après-midi défaite contre Zurich. On va s'intéresser à Lausanne. Lausanne qui reste scotché à la dernière place du classement. La pause des équipes nationales va faire du bien, comme elle l'avait fait du bien la dernière fois. Au retour, Lausanne avait gagné son seul match pour l'instant cette saison, mais depuis confirmation. Il n'y a pas vraiment eu, même si les prestations sont euh, meilleures qu'en tout début de saison. Par contre, sans trouver le chemin du succès encore une fois aujourd'hui contre Lugano est-ce que ce Lausanne Sport, Mike, va une fois décoller cette saison C'est la question qu'on se pose depuis le début de la saison, finalement je crois qu'on a déjà débattu deux, trois fois justement du Lausanne Sport dans le cadre de cette émission avec justement toujours cette cette, ben cette obligé de se reposer cette question aujourd'hui. Oui, oui, aujourd et, 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 et encore une fois, on est, on est tous à, 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 légitimement à se la poser les supporters aussi et, et à pas forcément entrevoir le, le, le bout du tunnel parce que vous dites qu'il y a du mieux dans le, dans, dans le jeu du Lausanne Sport. Moi, je me nuancerais en disant qu'il y a du moins mauvais, en quelque sorte, parce que c'est non, non plus pas la. Euphorisant. Euh, non, ce n'est pas, pas la foire à la saucisse. Ce n'est pas le foot et, chatoyant. Hein non, non. Et, et ça en devient désespérant. Inquiétant, désespérant, lassant peut-être aussi pour, pour certaines personnes. On a entendu des sifflets à la fin du match à la Tulière, C'est peut-être aussi que tout d'un coup. Les supporters, ils en ont gentiment ras-le-bol, puis ils voient quand même pointer euh, le mur. Quoi. On s'en rapproche. Il bah, y a Sion qui a gagné ce week-end, il y a saint qui a gagné ce week-end. C'est deux adversaires directs dans la deuxième moitié du classement qui, qui s'éloignent. Et 13 matchs, 8 points, ce n'est pas un, un, un bilan euh, très positif, Gaber. Non, c'est un parcours d'un corps d'année, d'un futur relégué. Hein. Ça va, être 13 matchs, une victoire, je crois, 5 nuls, 7 défaites. Je crois la plus mauvaise attaque, je pense qu'on a à nouveau vu les limites cet après-midi contre un Lugano qui n'est pas l'équipe la plus glamour de notre championnat. Non, j'ai remarqué quand même une petite progression par rapport au début. Il y a eu un changement tactique, il y a eu le passage à 4 avec l'arrivée de Grippo à donner une certaine assise, une certaine organisation défensive. Par contre, offensivement, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai regardé une occasion en première en étant en grosse. Je crois que c'était la 43e pour Amdouni. Et puis après, bah, bah, pas grand-chose. Et puis tu finis par perdre le plus logique du monde. Logiquement, du monde. C'est vrai qu'on peut s'inquiéter. La situation est sérieuse. Et quand j'ai entendu, il n'y a encore pas très longtemps, le discours du directeur sportif qui nous parlait euh, d'un Lausanne européen dans trois ans, bah, je pense que. D'ici là, il faudra essayer d'éviter euh, la Challenge League. Par la coupe, peut-être. <laughs> oui, Lausanne va se qualifié la en quart de finale. On revoit des images de la rencontre de cet après-midi. Lausanne qui a craqué en fin de rencontre, penalty de Ziegler et but à la 94e, 95e, même presque minute. Sandy, quelle impression voulait cette équipe de Lausanne ben moi, je suis peut-être un peu moins dure que, que mes deux collègues. C'est vrai que. La corporation va parler. <laughs> non, mais je pense qu'ils voilà, sont euh, un peu comme, comme le servette, un peu dans une spirale négative où il y a peut-être des actions dans le match euh, qui, à des moments, peuvent tourner euh, d'un côté positif. Et, et là, en ce moment, elles tournent toutes euh, contre eux. en fait Donc, Typiquement, le penalty, voilà, c'est une situation un peu, un peu gag, un peu, euh, un peu malchanceuse. Et je pense que sans, euh, sans cette action-là. Il y a peut-être moyen que le marque, marque peut-être un but en, en fin de match. En tout cas, moi, Lugano, je ne les ai pas forcément vus euh, très étincelants euh, non plus cet après-midi. Le deuxième but vient aussi un petit peu parce que le voilà, ZAN avait lâché sur cette fin de match. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est... C'est dommage parce que les intentions sont là, sont là comme on l'a dit tout à l'heure. Et, et elles ne prend que... pas de points, hein, les et intentions. Voilà, voilà justement. Mais... Pas de notaire. <Mais>, non. <laughs> mais c'est frustrant. Je pense que c'est frustrant pour une équipe où, où on voit qu'ils qu se donnent de la peine. Et puis, et et ils au final, ils sont, ils, sont, ils sont très mal payés. Juste, on a revu euh, il y a <laughs> quelques instants la scène du, du, du pénalty. On en a débuté, euh, débattu hors antenne, déjà dans le temps additionnel. J'ai juste envie de faire un tour de table. Pénalty, pas pénalty sévère, non, moi je trouve là, on va trop loin euh, pour n'importe quoi on siège penalty. pénalty, maintenant il suffit de rentrer dans le 16, moi je suis attaquant aujourd'hui c'est facile, tu rentres dans le 16 et tu vises la main de, du défenseur qui a, qui a aucune chance là, actuellement on est en train d'exagérer oh, c'est quand même difficile de viser la main du défenseur de j'ai pris, pris un exemple là mais là c'est absolument involontaire non, je trouve que ça va trop loin, trop sévère là, euh, je m'excuse euh, on est en train de déconner au niveau euh, des pénalty Mike, off-sandy d'abord. Allez, sandy. Bon, alors, euh, bah, si on suit le règlement, il y a clairement main, parce que voilà, la main est, est haute, elle est, elle est au-dessus de l'épaule, et, euh, et puis il touche clairement le ballon de la main. Je pense que le joueur le sait aussi au moment de l'action. Maintenant, si on regarde l'action jusqu'à la fin, c'est vrai que le ballon, euh, l'action, elle est terminée. Il n'y a, a aucun joueur derrière. Donc euh, c'est donc sévère maintenant. Euh, c'est malheureusement les règles euh, en ce moment. Qui faut changer. Et puis il faut les accepter. <laughs> Au moment d'appliquer le règlement, il n'y a pas de notion de sévérité ou pas. On applique le règlement, il est comme ça, il était... On se réfugie. Il est, est comme tel. Euh, oui. Et ses en... pénalties, mmh. et point bas. Il faut reconnaître qu que ouais. ça va trop loin. Oui, C'est sévère. Après, on pourra toujours discuter du règlement s'il est bien fait ou mal fait. Mais en l'occurrence, bon, voilà, réglementairement, c'est pénalties, Il n'y p... euh, a pas tellement à, finalement, à ergoter là-dessus. Moi qui ai okay, joué 20 ans au plus haut niveau, ben, je ne suis pas là pour parler de moi. En plus, dans l'axe défensif, je n'ai jamais fait un pénalty. Elle m'a touché de temps en temps le bras, mais d'une façon bien involontaire. Et il n'y avait jamais d'histoire. Vous pouvez parler avec euh, hein, Claude Riff. Justement, il a, on, a, on a juste échangé quelques mots quand on s'est croisés. Il m'a dit ça, ça devient impossible. C'est vrai que dans l'époque, on n'aurait jamais imaginé que le foot, prenne, surtout à ce niveau-là, prenne une, une telle évolution que je ne trouve pas très positive. vence bon, ou pas, penalty ou pas pour, euh, pour Lausanne. Bah, le bilan, c'est la pire attaque du championnat, la pire défense du championnat. La dixième et dernière place. Est-ce que ce soir, il faut rouvrir une discussion qu'il y a déjà eue par rapport à, à l'avenir du coach Ilia Borenovic On s'était posé exactement la même question <laughs> euh, Juste avant la dernière avant pause, la pause euh, du mois d'octobre, après une défaite de 2 à 0 à Lugano. Euh, et puis, bah, on se disait, il va peut-être se passer quelque chose, Révisa les courses, Si ne s'est rien passé. Quatre matchs, quatre points plus ouais. tard. J'ai pas le sentiment que, euh, que dans les bureaux de la Tuilière, on, on s'active autrement, on s'inquiète autrement. J'ai et... pas l'impression que c'est une priorité de, voilà. euh, du directeur sportif. Il fait confiance, il, il veut aller au bout de son, euh, de son mmh. projet, mais c'est vrai que la situation est compliquée. Moi, ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas forcément le, le nombre de points, c'est le contenu présenté. Mmh. C'est pour ça que je, je me fais du souci pour l'avenir. Il reste cinq matchs avant Noël et je pense qu'INEOS devra un petit peu. Euh, je pense qu'il faudra sortir le Karnatchev <laughs> ou bien trouver des solutions pour amener trois quelques renforts. – Mais j'entends déjà euh, les arguments qui proviendront certainement de la tuyère, de dire, ok, 13 matchs, 8 points, c'est nettement insuffisant, mais on n'a que deux points de retard sur lui, <laughs> on n'est pas décroché. Alors, ouais, ok, si on peut se raccrocher à ça, il faut voir le verre à moitié plein et pas seulement à moitié vide. Euh, si on regarde le classement, finalement, oui, Lausanne n'est qu'à deux points de la, de, la, de la neuvième place, à quatre points de la huitième. Ce n'est pas non plus euh, encore dramatique. Avant, encore, de, pas avant, pas encore, avant deux avant. matchs très très <laughs> importants à la reprise. Déplacement à saint réception de, de Servette, deux équipes dans la deuxième moitié du, ouais. du classement. C'est que faut, des faut... matchs à six points. Bon, Il faut bien. faire quelque chose. Avant ou, ou après Vous êtes dirigeant de, de Lausanne. Vous faites quoi, Sandy alors moi, je suis toujours de l'optique que ce n'est pas forcément l'entraîneur le problème. Je ne suis pas non plus pour virer l'entraîneur dès qu'il y a des mauvais résultats. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi responsabiliser les joueurs. C'est eux qui sont sur, sur le terrain. Après qu'il y ait des choix tactiques, euh, euh, on va dire, contestables, ça, euh, c'est une chose. Mais, mais au final, je pense que c'est aux joueurs aussi de se remettre en question et de, et de nettoyer chacun devant sa porte. Donc euh, je pense qu'il faudrait laisser euh, ces prochains matchs pour voir s'il y a vraiment une réaction de leur part. Euh, malheureusement euh, ou heureusement pour les Lausannois ils ont toujours eu euh, de très bons résultats contre Servette donc, euh, donc je pense qu'ils vont bon tellement pas. gagner contre Servette c'est plus un exploit <laughs> hein, <d 'accord. rire> non mais là à mon avis ce derby il aura, il aura un, bon. une saveur un peu particulière que ce soit pour une ou, ou l'autre équipe donc euh, à mon avis ça sera intéressant de, de voir ça ouais. à vous entendre on refait le bilan après les deux prochains matchs oui Encore ou peu à peur. Noël ou à Noël ouais, je pense un... à Noël il reste à de on... la on... saison alors, bon. <laughs> faisons-le à Noël. On avise à Noël. Euh, après, ben voilà, on, on, on se rappelle d'un tune qui avait bouclé aussi son premier tour ou euh, première moitié de championnat, 18 matchs 9 points. Euh, et qui s'étaient. Euh, ils ont fini à 36 ou 37. Voilà, 36 points. exactement. Mais fait... ça ne les a pas empêchés de coller. Je vous rappelle, oui, oui, mais... ils ont fait les barrages et ils, ont ils fait sont fait voilà, par Badot. Ils, ils ont été relégués au terme du barrage, mais ils avaient au moins évité la relégation directe. Tout à fait. Euh, donc voilà, je ne sais pas, peut-être qu'on se raccroche à ça, à, à la tulière, Mais y a y a il, il, y a point, il y a point Il y a qui la à, solution. À Noël, avec. Ouais, du Mercato. parce qu'Ineos oui. est responsable avec son directeur sportif parce que cette année après un championnat, premier championnat passé quand même assez intéressant avec des bons jeunes euh, qu'on a perdus malheureusement je pense à Guesson et, et Dakounia par exemple euh, non je pense que là il y a eu de graves erreurs c'est au début de saison on a affaibli l'équipe au lieu de la renforcer Gabet voit quelques signes d'amélioration euh, sur les dernières rencontres Mike, pas trop, trop, à, peine. trop à, à peine à, à peine au niveau organisation, je dirais. Ça, ça passera par le mercato. Il n'y a pas d'autres signes d'espoir actuellement pour, pour le jeune autour de cette table. Mou de la part de, ma, de Sandy. Non, je, je pense que je, 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 je suis du même avis. Euh, voilà, y, y, ça sera euh, important de bien recruter euh, cet hiver pour, euh, pour passer l'épaule euh, sur cette deuxième euh, partie de saison. Je confirme. Ouais. C'est les, a... les retours de Geisman, euh, parce que l'équipe. Quelques minutes qu'on a pu apercevoir avec côté quand, euh, quand il, est, il est revenu de sa première blessure, bah, c'était, euh, on va dire, euh, quelque chose d'intéressant. Euh, malheureusement, ça a, pas, ça, ça a tourné court. Euh, si turcas revient aussi euh, en pleine forme, en pleine possession de ses moyens, bah, on aura peut-être euh, retrouvé un, un buteur. Donc, déjà, si ces deux joueurs reviennent, pour, euh, pour le printemps. Mais il faut du temps jeu après une, une si longue indisponibilité. Oui, oui, oui. Donc c'est pour ça que Tourcais, il euh, faut faire attention. C'était quand même mmh. bien sûr important, plus d'une année euh, out. Euh... Non, je pense que là, il faudra, il faudra, il faudra avoir fané et trouver euh, les, les renforts euh, absolument indispensables. Mais ils les trouveront, soyez optimistes. <laughs> ils les trouveront. À propos d'optimisme, parce qu'on nous reproche parfois gentiment, mais quand même on nous le reproche, vous parlez toujours des clubs qui ne vont pas, qui ont des problèmes. Eh bien, dans les prochaines minutes, on va parler de la bonne surprise de cette euh, saison, en tous les cas de ce début de saison. C'est le FC Zurich qui, au classement, n'a qu'un point de retard sur euh, le FC Bâle leader. Un point euh, de retard à ce moment-là de la, la saison. Qui aurait, autour de cette table, imaginé Zurich rivaliser J'ai vu un doigt se lever avec Bâle et Ib. Pas Gaber, en tout cas pas moi. Pas <laughs> Mike et puis la direction euh, de Blue Sport organisent chaque année un concours de pronostics. Euh, C'est pas un concours, on vous demande oui, simplement. Oui, vous... oui. De... Bah, voilà, faut donner un classement et je, je crois Là, que mais... je ne suis pas le seul donc. Euh, moi, j'avoue, honnêtement, j'ai mis Zurich 9e. Moi, j'ai vu l'équipe s'affaiblir. J'ai vu arriver un nouvel entraîneur, Brighton Reiter, qui a eu quelques échecs en Allemagne. Je n'étais pas optimiste. Pourtant, croyez-moi, j'aime bien le FC Zurich. Hein, j'ai passé 4 ans magnifiques au bord de la Laïmate, dans un club qui marchait. Et puis, euh, c'est vrai que là, actuellement, euh, quand je pense 13 matchs, 25 points, presque 2 points par match, avec une équipe qui. Euh en renouveau, en reconstruction. Je te dis chapeau, chapeau à l'entraîneur qui, euh, bah voilà, qui nous a fait un début de championnat absolument fantastique. On s'en pas eu la chance de nous donner ses pronostics avant la saison, <laughs> mais auriez-vous attendu euh, Zurich-CIO si à la lutte presque pour le titre On va pouvoir peut-être se poser la question bientôt. Non, pas du tout. Maintenant, je pense que justement, au contraire, d'autres équipes, ils sont dans une spirale très, très positive où il y a un peu tout qui leur sourit. Donc, à voir s'ils peuvent confirmer sur les prochains matchs, parce que voilà, on ne les attendait pas forcément là. Et je pense que, que garder le rythme jusqu'à la, jusqu la fin de la saison, ça va être compliqué pour eux. Le FC Zurich qui aujourd'hui a gagné à Genève contre Servette sur le score de 2-1. Bijou de Marquezano pour Cisei pour l'ouverture du score. Fric pris entre les jambes. Ben, C'est le genre de but, Mike. Quand il euh, y a la confiance, ben, ça passe entre les jambes du gardien. Déjà, ce que fait Marquezano est juste euh, incroyable. Il prend l'information avant même de recevoir le ballon. Il sait exactement où est Cisei. Cisei il sait qu'il va plonger euh, et, euh, et lui met cette balle parfaitement. Et puis, là, là, ouais, effectivement, la conclusion, alors, je ne sais pas si c'est de la réussite ou bien si c'est effectivement quand même de, de, de l'adresse de la part de Cizé. Non, de, de no, c'est de la réussite. <laughs> et, puis, et puis ça, bah il voilà, n'y a, a rien à dire. De toute façon, quand on est gardien, on ne peut que saluer ce, ce genre de, 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 de coup franc. Qu'est-ce que vous voulez rajouter C'est bien euh, c'est juste euh, magnifique. La, fra, la frappe, elle, est, elle, 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 est, elle a une trajectoire invraisemblable parce qu'elle part un peu. Donc euh, voilà. Là, on ne peut, voilà, peut que saluer. Il n'y a, a rien à reprocher à Servette sur ce coup-là. On peut. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Servette même sur le, le, le premier but Rien, c'est si, la, la charnière centrale ah, est un mal petit placée. Peu, mais, mais en même temps, la passe est tellement incroyable. Oui, mais être... termine bien Ils le travail. Ils sont mal placés. Euh, et, ben, voilà. On a dit qu'on qu okay. était positif. <laughs> non, mais, mais bon, joueurs. je constate. <laughs> c'est vrai que c'était Séverin qui a remplacé Sassot, qui oh. était suspendu <laughs> aujourd'hui. Euh, mais je pense qu'il y avait mieux à faire. Mais actuellement, tous les détails sont négatifs pour euh, pour Servette. Qui... Positif pour Zurich. Zurich qui a 10 buts de Ciseil. Qui a eu l'apport de, de Guerrero, de Boraniashevich sur sur les côtés qui sont deux de pioches importantes et qui a un nouvel entraîneur un peu sous-estimé, André Brighton Reiter. Peut-être. On va avant d'en discuter écouter ce que pense euh, Antonio Marquezano du euh, nouveau coach du FC Zurich avec qui il travaille depuis quelques mois. Quel type d'entraîneur est-ce qu'il est à l'entraînement Ouais, il demande beaucoup et les, les entraînements sont très intensifs. Et... La euh, deutsche mentalité, comme ça, comme on dit en, comme on dit en allemand. Euh, je pense que vraiment, il a, il a ramené beaucoup de choses dans notre équipe. Et je pense que aussi, savoir, savoir sur le terrain comment on joue, euh, très intensif, très, très ensemble. Et, et il fait, il, il nous fait du bien. Vous parlez de, de ramener des choses, mais qu'est-ce qu'il a ramené au, au FCZ complètement ouais, La mentalité surtout. Je pense que on a montré beaucoup de fois que on laisse jamais, on laisse jamais. Et comme on dit, aussi si on est à perte, on ne laisse jamais. On retourne toujours, on montre toujours des bonnes mentalités. Aujourd'hui, ce n'était pas facile parce que Servette, parce que ils ont fait un très bon deuxième mi-temps. Et nous, on a réussi à être compacts, tous ensemble. Et, et ça, c'est ce que le coach nous demande. Gabé, mentalité, mentalité, c'est peut-être le gros plus d'André Brighton Breitenreiter pour cette équipe c'est d'avoir amené une nouvelle mentalité bah oui euh, une nouvelle mentalité euh, c'est un, un Allemand euh, j'ai eu Koneska c'est des gens rigides et tout euh, qui demandent beaucoup il euh, bah, mmh. y a beaucoup d'exigences et puis il était euh, et puis pour lui tout a rigolé dans le fond parce que c'est vrai que tu prends une équipe que tout le monde voyait plutôt jouer le bas du classement tu fais 4 matchs euh, 12 points c'est vrai que la confiance et puis bon les joueurs seront super contents je connais les joueurs hein, Ballener bien, il suffit qu'il perde deux matchs et puis je, un, il y a vite, comme on dit, des retournements de veste au niveau des jugements sur les entraîneurs. Non, les résultats, les résultats parlent pour Bretton Reiter, C'est vrai, c'est incontestable. Il a fait, je pense qu'ils ont fait un recrutement intelligent. Ils savaient qu'il allait jouer à une forme de 3-5-2, une défense à 3. Il était cherché, et ce qui est très important dans ce système, deux hommes de couloir de chevronnés, de qualité. Et puis, ça fait la différence. Et puis, et tout d'un coup, il y a un Cisaille, euh, qui avant, il lui fallait 52 occasions pour, euh, pour trouver le chemin des Gaules, et qui maintenant, les yeux fermés, encore aujourd'hui, elle passe encore ah, entre, les de, entre les jambes de. Après, et voilà après détails. Après un certain nombre d'entraîneurs latins, euh, notamment Antilio Canepa, le président, adorait prendre des romans. Ludovic Magnin était le dernier. Retrouver cette mentalité à germanique pour un club comme Zurich, c'était peut-être la bonne chose à faire. Ouais, on parle souvent de rigueur allemande. Donc, euh, je pense que si le, le joueur la, l'a décrit comme ça, c'est que vraiment pendant les entraînements et, et même euh, lors, de, lors des causeries du, du coach, c'est quelque chose qui revient souvent. Je pense qu'il a su justement leur... Euh, le, leur donner cette mentalité de, de rien lâcher comme, comme il l'a très bien dit à, à l'interview. Et puis euh, il y a des matchs où justement ça, ça gagne comme ça. Et puis contrairement à Lausanne qui a la manière mais pas forcément les points euh, à la fin, bah, Zurich arrive en cette période à, à toujours ramener de, des points importants. Il y a de la rigueur, il y a des résultats, c'est clair. Ah, Je ne sais oui. pas si c'est très drôle au quotidien. Hein, parce que... <laughs> Un entraîneur bah. allemand, de ce qu'on entend, de certains consultants par exemple, bah. euh, qui nous racontent des anecdotes avec des entraîneurs allemands, la Deutsche discipline, mentalité et qualité aussi. <rire> euh, <rire> et un autre entraîneur pour qui euh, ça ne doit pas toujours être drôle de travailler avec selon également ce qu'on entend c'est Murat Yakin parce que Mourad Yakin avec l'équipe de Suisse aura une semaine importante euh, déplacement en Italie pour euh, affronter le champion d'Europe vendredi réception de la, la Bulgarie ça sera lundi c'est la semaine décisive pour la qualification pour euh, la Coupe du monde en tous les cas la qualification directe est-ce qu'on peut croire à une qualification directe et égalité en classement au en classement entre les deux équipes? La Suisse doit faire un résultat à Rome. Sandy, vous y croyez? Bon, moi, j'y crois, oui, forcément, parce que je suis, je suis de, de nature positive. Euh, ils avaient déjà réussi à, à décrocher un match nul alors que, que l'équipe n'était pas non plus euh, au complet, certes, avec un petit peu de, de chance, mais euh, mais je pense que voilà, ils ont euh, ils ont toujours ce, cet engouement et, et un peu ce Ouais, C'est cette énergie positive qu'ils ont pris de, du, du dernier euro. Donc, euh, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire et puis, et puis pourquoi pas créer la surprise. Mike malgré euh, on les voit derrière derrière moi tous Beaucoup ces tous ces absents. Oui. Alors on y croit bien sûr parce que tout est possible et puis on a envie d'y croire puis on va pas se dire on va pas partir battu mmh. même nous euh, quand on sera devant, devant notre, notre écran on va on va se dire OK on va aller chercher quelque chose au moins un point. C'est le champion d'Europe c'était ah, oh, 3-0 à l'euro. C'est ça. Bah, j'ai un peu peur de ça. J'ai un peu peur de ça malheureusement j'ai un peu peur que euh, la réalité nous, euh, nous Mais est-ce que les Italiens peu. vont pas partir euh... Trop confiants. Non, parce qu'ils vont vouloir justement assurer cette, cette première place. C'est ma crainte. J'espère me tromper, puis j'espère arriver dans une prochaine émission en disant Bah ouais, euh, j'y ai pas cru et, et ça s'est pas passé comme ça. Euh, L'autre crainte que j'ai, c'est que tout d'un coup, il exploit... y euh, vendredi à Rome et puis derrière, on, derrière voilà, on se prend les pieds dans le tapis contre la Bulgarie qui aime bien créer des surprises euh, quand il s'agit mmh. du dernier match calife euh, <laughs> donc, euh, donc voilà. Milko Stadinshev vous salue. Voilà en fait. exactement. Et, et, euh, et les Français s'en souviennent. <laughs> voilà. Donc euh, après, faudra pas, faudra, faudra assurer, faudra pas se rater non plus pour ce dernier match de la Bulgarie. Tout le monde se focalise sur l'Italie, mais derrière, il y a un match qu'il faudra aussi. Oui, terminer, mais ça hein. si, en... on, si on se bat, si on se bat pour la, la première place directement. Si califiée, es premier, tu, tu peux pas. Ah, tu ne peux, euh, oui, oui. peux pas te planter contre la Bulgarie à la maison. Alors, oui. Non, au moins Mais je... un, un nul en Italie, c'est un bon résultat, parce non, que derrière, ça... l'Italie va en Irlande du Nord, la Suisse, on l'a dit, reçoit la, la, la Bulgarie. En cas d'égalité, c'est la différence de but générale qui, mm -hmm. qui est décisive. Ouais. Euh, pour l'instant, il y a deux buts en faveur de l'Italie. Ça peut se, se retourner avec un nul ouais, ouais. Je, je, je pense, je pense qu'on peut avoir des regrets. Parce que là, on aurait pu prendre un avantage très important, c'est-à-dire on avait gagné euh, le match en oui, Irlande. Parce oui. qu'on aborderait ce match avec deux points d'avance sur l'Italie. Euh, en faisant match nul en Italie et en gagnant contre la Bulgarie, on est bien oui. d'accord, tu aurais été qualifié. Non, là, malheureusement, ça ne s'annonce hein, pas trop bien. Euh, euh, vous vous souvenez euh, du reste, qui était présent quand on, a, on, a, on parlait de la nomination de Yakin. Euh, je. J'avais été, je ne veux pas dire assez dur. Non, euh, Yakin non, est très un... dur. Non, pas très dur. Non non. <laughs> non, non, sur le plan football, il n'y a pas de problème. On connaît Yakin, c'est oui. un magnifique joueur d'échecs. Hein, il a des organisations défensives absolument admirables. La preuve, quatre matchs, on a pris encore zéro goal. Donc, à ce niveau-là, j'ai plus de doutes sur le plan offensif et tout ça. Et puis c'est un job qui lui convient parfaitement à 25-30 Il est toujours présent et je suis content. Et oh, je ça pense plus que ça, sélectionneur. National. <laughs> ben non, non, <laughs> le travail est effectif. On va avoir des matchs, on est bien d'accord. Non, par contre, il est... Où il est... Et puis je lui dis chapeau parce qu'il a commencé euh, contre l'Italie avec une ribambelle de blessés, ah, surtout, ouais. surtout en français, plus euh, que ça. Cas. Et puis là, alors, quand, il me semblait qu'on retrouverait en groupe avec le jeune Okafor qui est en train de là, faire de belles promesses du côté de... – Il Sassbou. manque Mbolo, il manque Seferovic, vous comptez et sur Okafor pour marquer les buts ?– Non, mais ça aurait été une alternative, il je sera crois. là, hein. Mais tout, tout à fait, mais c'est quand même pas Mbolo Elvedi qui sont quand même des titulaires, même si euh, Mbolo, c'est des performances en dentille, on connaît ses problèmes, bah, parfois techniques, avec un immense déchet, mais sa puissance dans sa service. malheureusement, il a une immense musculature et il s'est claqué. Et puis Elvedi, c'est un, un petit peu la poisse, parce que lui, il s'est hein, fait marcher sur la chute. Oh, – C'est pas sur Elvedi qu'on comptait pour marquer des buts non, Oh mais... quand même. Sandy, c'est qui qui va marquer les buts pour la Suisse dans ces deux matchs Avec les absences qu'on a relevées. Ouais, bah moi, je, je vois bien Zuber. C'est vrai que ces derniers, derniers matchs, c'était un peu l'homme en forme. Il, il crée pas mal de, de mouvements avec de belles actions euh, offensives. Donc, euh, donc voilà, moi, je suis un peu triste pour Mbolo parce que je pense sur les deux derniers matchs, c'est vrai que même si sur le premier, à, à la Praie, il n'avait pas, euh, pas pu marquer, je pense que c'était lui qui avait été le, le plus dangereux. Donc euh, c'est sûr que pour l'autre équipe, de savoir que Mbolo n'est pas, est pas là. Ça, les, ça, ça peut peut-être les rassurer d'un côté, surtout quand on connaît euh, les défenseurs italiens, mais j'aime bien de en ce moment et, et je pense qu'il va, qu va pouvoir... Euh... Faire Parler aussi un petit peu ça. Sa... Oui, mais c'est un joueur euh, qui joue sur les côtés. Il est très bon. Est vrai il euh, hein, il s'est distingué avec oui, des mais assists, Magné. Il magnifiques. amène souvent du Par contre, place. le vrai centre-avant, hein, en, en l'absence d'Embolo, on n'a pas Seferovic. Il nous reste Gavranovic. Je ne connais pas trop actuellement ses performances en Turquie. Mm. Euh, c'est vrai que là, on, part à, on a perdu beaucoup d'excellentes de, cartes. Ah, et misons sur les jokers, on va dire, au <laughs> fort parce qu'il est en forme actuellement. Et Gavranovic puis Zekiri, on ne sait jamais. Il rentre à la 60e, puis, euh, puis il, peut aussi, euh, il peut aussi faire quelque chose. Oui, euh, pourquoi pas Voilà, et Iméry qui a été appelé en dernière minute aujourd'hui euh, avec l'équipe A. Oui, euh, Iméry appelé aujourd'hui. Philippe Keun pour remplacer Kobel uh, au but. Iméry d'ailleurs, va auteur d'une magnifique réussite, celle de l'honneur pour uh, Servette aujourd'hui. Certainement juste avant d'apprendre sa sélection. Et uh, Brian Oko, le jeune vaudois, appelé aussi pour ces deux rencontres à venir pour remplacer les absents de dernière minute Fasnart, Kobel, Elvedi et Mbolo sélectionnés dans un euh, premier temps, Italie-Suisse, euh, c'est le rendez-vous de euh, vendredi. Lundi, c'est Suisse-Bulgarie. Euh, Et pour nous, c'est déjà gentiment, mais sûrement, le terme de ce rendez-vous match après match. On est un peu comme les euh, footballeurs évoluant dans le championnat de Suisse. On fait une semaine de pause. On se retrouve avec beaucoup de plaisir dans deux semaines pour parler, débattre à nouveau de football. Merci Sandy Mendley d'avoir été avec nous. Merci. Merci Mike Perez, merci Gabé Chapiza, merci à vous de votre fidélité. Portez-vous bien et à très vite pour encore plus de football. Au revoir.